Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Gameblog.fr pour un nouveau live consacré aujourd'hui à un MMORPG qui a déjà un peu de bouteille sur PC et PS3 mais qui sort sur PS4. Je vais parler de Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Avec aujourd'hui pour m'assister, enfin m'assister non, celui qui va vous présenter, tu veux, écoute, c'est moi qui l'assiste en fait. Si ça flatte ton ego, c'est ça exactement. Et bien c'est Mimic. Et bien bonjour à tous, désolé je m'excuse à l'avance mais je suis un peu malade et fatigué. Ouais. Mais j'ai une voix toute cassée, bah ouais. Je vais m'écarter un petit peu. Oui, tu peux t'écarter. Ça va quand même à part ça. Bah, écoute, ça va, ouais. Bah, t'as vu que j'ai eu une bonne journée. Tu m'as vu, t'as passé une super journée. J'ai passé une super journée, donc voilà. Mais on est là pour vous présenter Final Fantasy XIV. Absolument. Particulièrement la version PS4, puisque c'est celle à laquelle j'ai pu jouer là. Alors, pour faire un petit historique, on rappelle que Final Fantasy XIV est sorti en 2010, je crois, ou un truc comme ça. Et que c'était une véritable catastrophe, un MMO catastrophique, vraiment. C'est même excusé hein, pour ça. Oui, tout à fait, ouais. C'était... Mais alors, ce qui est marrant, c'est que moi, après, j'ai assisté à une présentation où ils nous ont montré, enfin, ils nous ont dit clairement, voilà, Final Fantasy XIV, on ne le laisse pas tomber. C'est la licence phare de Square Enix. Il est hors de question qu'on laisse tomber ce MMO. Donc, on va le remettre sur pied. Quand ils nous ont dit ça, moi j'avoue que j'étais sur le guerre, je me suis dit ils sont fous. Parce que franchement, récupérer une communauté de MMO que t'as déjà perdu, c'est un pari complètement fou, osé, que personne n'a jamais relevé. Ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, voilà. C'est-à-dire que deux ans et 10 mois après, hein, c'est à peu près ça. Et pas mal de sueur et de sang et de larmes. Et puis il y a des gens qui sont partis, qui se sont fait virer, etc. Ouais. L'ancien producteur et tout. Là, on a un MMO qui est complètement refait de A à Z, même au niveau de l'histoire, etc. Où ils expliquent justement, quand tu commences le jeu, qu'il y a eu un petit. Tous les héros, il y a des héros qui sont morts durant la dernière guerre, du coup ça a fait une espèce de wipe-out. À cause d'un gros dragon. Un gros dragon, voilà, exactement. Et du coup, tu repars de zéro, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, donc on en avait parlé, on avait fait un test sur PC quand c'est sorti et PS3. Et là, c'est la version PS4 qui est là, et on vous en parle parce qu'elle a un truc un petit peu particulier, enfin, quelques trucs un peu particuliers. Et donc, cette fonction un petit peu génialissime, qui est... Tu peux l'approcher de la caméra. Mais elle est timide, ma Vita. Et ouais, on peut y jouer depuis sa Vita. Exactement, voilà. Sa PS4 allumée ou sans la avec PS4 Avec sa PS4 allumée. D'accord. Et c'est en remote play, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis l'autre chose évidemment, c'est que tout le jeu est adapté comme la version PS3 à la manette, à la jouabilité à la manette, et ça marche aussi donc avec la Vita du coup. Et c'est une belle prouesse qu'ils ont fait parce que beaucoup se disent évidemment jouer à un MMO. Je vais rentrer un peu dans le jeu parce que je parle. C'est vrai que tu parles beaucoup. Hein. Tu m'as même pas laissé le temps encore d'en placer une. C'est faux parce que t'as ouvert et à chaque fois t'oublies de me dire bonjour. Non, je te dis bonjour, comment ça allait. Et après tu me dis, mais je suis le mec, faut me présenter moi en premier quoi. Hey Emric, comment ça va? Bien, et toi? Emric, Maître Emric, comment ça va? Alors, maître, non, mais enfin. Voulez-vous que je vous masse? J'aimerais bien, parce que là, je suis un peu crevé. Non, mais juste, j'en profite pour placer avant qu'on commence la partie. Ouais. Que vous pouvez évidemment interagir avec nous pendant ce live sur Twitter avec le hashtag FF14 en chiffre romain Gameblog. FF14 Gameblog. Je rappelle aussi très vite que vous pouvez vous abonner à notre chaîne Twitch, à savoir twitch.tv/gameblogfr attaché. Ça nous fera du bien. Très bonne chaîne d'ailleurs. Hein. Très bonne chaîne avec beaucoup de choix au niveau des programmes. Tout à fait, avec donc, des gens très bien. Exactement, parlant de gens très bien, tiens, on va passer un petit coucou à toutes les personnes qui nous saluent depuis tout à l'heure. La Bille, bonsoir, Zizou 130. Et bah, salut Diane, à tous. Maiden Cloud, Dragon Julien, Deli Maxime, Zizou 130 encore une fois, et Itomi. Salut à vous et merci de nous suivre pour ce live. Donc une petite présentation rapide là, on joue avec un perso que tu as déjà créé. Tout à fait. Et qui est de quelle race? Qui est niveau 7, c'est les petits chatons. Les petits chatons qui s'appellent Je me rappelle plus du nom des petits chatons. Un truc comme ça. C'est comme Falafel mais avec un... J'ai l'impression que c'est Lalafel. Exactement. Et donc voilà, donc il y a 4 races évidemment. Il y a 1, 2, 3, 4, 5... Ah non, c'est les Mikotes. Pardon, ça c'est les Mikotes. Les Lalafel c'est les petits. Je sais plus, je me rappelle des Mitra moi de Final, je sais pas si tu vois ça. Ah oui, bien sûr. Et c'est inspiré de cette race là. Non. Donc c'est super classe, on peut le voir quand même. Puisque c'était une des questions que beaucoup de gens se posaient, c'est effectivement est-ce que cette version PS4 est au niveau de la version PC. C'est plutôt pas mal effectivement, et même sur Vita, hein, je rapproche encore un petit coup là pour que vous puissiez voir. Sur Vita ça rend bien. Il y a les reflets évidemment. Hein. Ouais, on peut voir les reflets, ça rend effectivement très très bien. C'est assez impressionnant, ça bouge très bien, il n'y a pas de lag. Quoi que ce soit. Alors après, j'imagine que sur un PC surpuissant, surboosté tout à fond, ça va être peut-être un tout petit peu plus beau, mais ça joue vraiment à pas grand chose. Ouais. Vraiment à pas grand chose. Et c'est juste superbe en fait. C'est juste magnifique. Bah, et, une des forces. La direction artistique d'un final, voilà quoi. Bah exactement, très si clairement. On est fan. Alors après, l'autre gros truc aussi qu'il faut voir avec
avec ce final là, ce que je trouve assez sympa, c'est que tu vois là par exemple on est sur un décor qui est assez terne finalement. Il pleut, il fait gris, je veux dire ça pète pas de plein de couleurs, etc. Il y a des moments où il y a des séquences comme ça dans le jeu où ça pète de plein de couleurs et tout. Mais là ce qui est cool c'est qu'en fait c'est classe sans être forcément tape à l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est une des grosses forces je trouve de ce MMO là en tout cas. C'est de pas en mettre, tu vois, à World of Warcraft, il y a toujours plein de couleurs, ça pète dans tous les coins, etc. Ah, c'est plus comics, hein. Et, ouais, tout à fait. Mais là, effectivement, il y a un côté enchanteur et avec une patte graphique et artistique très typée manga japonais, quoi. Et pourtant, il n'y a pas plein de couleurs, c'est assez terne et le rendu est quand même super classe. Donc ça, moi, je dis bravo. Tu es où ? On peut voir, c'est la période de Pâques. Et qu'est-ce qui s'y passe ? Alors là, en fait, il n'y a rien de particulier. Je cherchais à monter mon crafting. Mais quel est le nom du bled? Je n'ai pas savoir en fait. Alors elle te bouge pas. Hop, je vais essayer de ne pas m'y perdre. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de bled. Alors là, je suis. Tac. Ah, je crois que c'est Gridania, ça s'appelle elle. Mais je suis même plus sûr. Attends, bouge pas. Voilà. Gridania, la nouvelle Gridania. Okay. Voilà. Et en fait, il y a plusieurs villes en fonction du personnage que tu vas créer. Tu vas te. Tu vas débuter à un endroit différent. Voilà, dans différentes villes, effectivement. Je te montrerai avec un autre perso que j'ai monté un petit peu plus haut. Mais là, on va essayer d'aller se faire des petites quêtes annexes. Alors donc là j'étais sur Vita, oula, je me suis pas trompé. Télécharge des vidéos, hein, fais-toi plaisir. Hein. Et donc voilà, une des autres nouveautés d'ailleurs, on peut en parler, c'est aussi le fait que tu puisses streamer justement directement tes parties quand même grâce à la PS4, ça c'est quand même super confort. Pareil parce que pour les photos. 130 nous le demande, c'est le perso que tu avais commencé sur ton live de la semaine dernière, Mimic. Non, c'est pas le même, j'en ai fait un autre là pour essayer un petit peu, c'est un élémentaliste celui-là, je voulais voir ce que ça donnait à un caster. Donc du coup j'ai regardé un petit peu là-dessus et ben voilà, donc c'était juste pour vous dire que ça fonctionne correctement. Alors pour revenir aussi à la version PS Vita, faut pas se mentir non plus, en donjon c'est quand même un peu chaud à jouer parce qu'on a un problème assez de lisibilité quand même. Et même pour les raccourcis que je vais vous expliquer après à la manette normale, c'est un petit peu complexe et c'est vrai que il y a une certaine limitation, ça faut vraiment avoir du skill et de l'habitude pour maîtriser parfaitement, surtout quand on est en soignant, ce qui est mon cas là. Puisque effectivement il faut bien targeter les personnages qu'on doit soigner. Donc ça évidemment, ça demande un petit peu de pratique. Au-delà de ça, il faut reconnaître que par contre pour le craft, tranquillement au lit, pendant que madame s'occupe, enfin squatte la télé, j'ai envie de dire. Squatte la télé, tu peux faire ça tranquillement. Si tu veux, vas-y. Voilà. Ça fonctionne très bien sur PS Vita. Mais voilà, donc je vais arrêter sur PS Vita et revenir sur la manette, parce que moi je préfère cette config là. Et donc voilà. Surtout que le pavé arrière, je suis sûr qu'il doit être relou. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis, les raccourcis des touches qui manquent, les L2 et les R2, donc ça, ça fonctionne plutôt bien, mais effectivement, c'est encore une question de pratique, etc. Moi, j'ai pas joué des heures non plus sur la version Vita, enfin, sur ce Link avec la Vita. D'accord. Donc voilà, on y retourne. Okay. Eh bah, non, sinon, c'est pas ma journée. Allez, laisse-moi me balader tranquille. Je peux pas. Que se passe-t-il ? Bah, il faut qu'il reconnecte le DualShock, donc il me demande. Les consoles d'aujourd'hui. Hein. Oui, alors rappelons-nous des petits problèmes qu'on a eu tout à l'heure. Oui, avec, on a eu un gros problème. On a eu un gros problème en fait. Comme on a changé, j'ai ramené ma PS4, on a changé le. Comment on appelle ça ? L'IP. Hein. Voilà, l'IP en fait, puisque. Puisqu'il a changé de connexion internet. Exactement. Et du coup, ils m'ont bloqué mon compte. Square Enix a été bloqué pendant un certain temps. Et on a essayé de le remettre, et on a réussi au dernier moment. Tu as réussi, hein, tu peux t'attribuer toutes tes... Oui, ça m'a pris 2 heures. Voilà, ça a pris 2 heures. Pour vous dire que j'ai eu une chaude journée, parce que j'ai bien galéré pour que... Ah tiens, une petite question, que... oui. De Deacon Frost, 1832. J'aime bien les MMO, mais pour y jouer solo, est-ce que c'est un jeu fait pour moi, et aussi, quid de l'abonnement? Alors en fait, l'abonnement est à 12,99 il me semble. Mensuel. Hein. Mensuel, on est d'accord là-dessus. C'est d'ailleurs un truc qui est trop un peu fou, mais tu sais quoi, je vais d'abord me définir un objectif. Parce que là, depuis tout à l'heure, je tourne. Allez, objectif. Et là, donc, je vais me trouver un petit truc, je sais pas où est-ce que objectif pourrait aller. Objectif abdo en béton d'ici l'été. Hop, je vais essayer pour être belle en maillot. Un petit truc. Est-ce que je pourrais me trouver un petit truc, une petite sortie par là? Sinon, aller dans la forêt, c'est la droite. Ah, il y a Didi qui me demande si on peut avoir mon avis personnel sur ce FF. Bah non, parce que j'y ai pas joué et que j'y jouerai jamais. Si vous voulez savoir, je suis pas réfractaire au MMO, mais je sais que la puissance d'un MMO sur l'addiction, en fait. Sur mon, voilà, c'est pas de l'addiction. C'est vraiment, je suis capable de pas voir le temps défiler du tout, et c'est un vrai problème. Donc voilà, j'ai fait un peu de FF11, un peu de World of Warcraft à l'époque, mais là je crois qu'il faut que j'arrête de toucher à ça, j'ai déjà trop de jeux auxquels je dois jouer, si en plus je dois me mettre au MMO, bah...
C'est toujours le problème, c'est que c'est un gouffre à temps. L'avantage avec celui-là, c'est qu'ils ont tellement changé la formule, c'est-à-dire que là, par rapport à FF, en plus, je l'ai commandé hein, en bêta, je l'ai commencé en bêta sur PC tranquillement et tout, j'avais trouvé ça marrant en plus, hein. Mais j'ai arrêté très vite parce que j'ai vu qu'au bout de 3 heures, c'est un des trucs qui est cool. J'avais l'impression d'avoir juste de cligner d'un œil, quoi. Certes. Ils ont vachement occidentalisé le truc et c'est vrai que du coup, c'est devenu, bah, c'est vrai qu'il y a un côté clone de World of Warcraft. C'est vrai. Où on fait un petit peu... on avance sans trop se prendre la tête, quoi. Il faut clairement indiquer où est-ce qu'il faut aller. Il y a des flèches partout, là on peut le voir, là j'avais parlé pour accomplir une de mes quêtes. Il y a une flèche verte sur la minimap. Donc on peut voir ça. Et c'est effectivement très... Et très ça rejoint finalement ce que vous demandez Deacon Frost, à savoir c'est un jeu qui peut jouer tout seul finalement pendant un petit moment. Alors très clairement, ça peut jouer tout seul pendant un moment. En fait, tu commences tes premiers donjons, vrais donjons, j'ai envie de dire, à partir du niveau 15. Entre temps, tu peux vraiment te balader tout seul, etc. Tu peux monter très très vite. Regarde là comment c'est super classe. Là on est à l'extérieur, il pleut. Ah, c'est joli. Vois, et c'est quand même super joli, pourtant c'est très terne. Alors là, mais la vie est terne. Ouais, mais là effectivement, pour le coup, c'est assez... C'est vrai que c'est tu vois, c'est éternel, quoi, je pense que ça rend bien. Mmh, allez, je colle un petit son au monsieur qui est juste là, voilà. Je prends un exemple, hein, je vais aller me taper une petite coccinelle tranquille. Ah bah... Je la target simplement, hein, je vous rappelle, je fais tout ça à la manette. Tranquillou. Hop. Alors là, elle va bien vers moi. Et j'ai utilisé la terre qui me permet en fait de la ralentir. Je prends pesanteur, voilà. Tranquillement, il va te la figure pendant que mon pote à gauche, là, il lui met aussi des coups. Donc si je veux justement, hop, je peux le soigner s'il a besoin, mais il est à 100%, ce n'est pas nécessaire. Donc ça, ça se fait à la manette, c'est quand même assez hallucinant pour reconnaître. C'était déjà valable sur PS3, sur PS3 certains. Et donc le principe, il est simple, en fait, c'est qu'on a des raccourcis que vous voyez ici et là. Donc L2 là par exemple, et R2 ici. Ah, donc okay. Je peux coller mes sorts, j'appuie là-dessus. En fait, on va dire que j'appuie sur R2. Ouais. Et j'appuie sur les touches de raccourcis qui sont indiquées dessus, triangle, carré, rond, etc. Je peux évidemment changer et attribuer ces touches d'une autre manière. Là c'est OK, mais je peux les modifier. Mais sans pause. Non, ça y a pas de pause. Hein. Ah non, il n'y a pas de pause. Donc là, je peux le faire en direct, etc. Et là, j'appuie sur la touche. Hop, je m'appuie sur R1. Et là, j'ai toute une autre batterie de trucs et je recommence. Tac. Et tac. Tu vois ? Ouais, et donc, bien foutu quand même. Tu te retrouves quand même avec 16. T'as 16. 164. 16. Comment ça s'appelle ? Mercenaires. Non, tu l'es. Ah, je suis fatigué. 16. Raccourcis ? Oui, voilà, 16 raccourcis. et tu me tues, pardon, ça fait 32 en fait. Donc c'est quand même pas mal. Pour pouvoir attribuer les touches, etc. Oui, donc ça c'est quand même suffisant et surtout c'est vraiment très accessible et très pratique, quoi. Alors, moi, quand j'ai une petite macro pour m'asseoir ici, là tranquillou, évidemment on peut faire des macros aussi, cela va de soi, donc pour le coup c'est vraiment vraiment bien pensé, vraiment très très bien pensé, quoi. Pas beaucoup d'agressivité avec Oxygen, on peut le voir. Non mais là c'est normal, c'est le tout début, j'ai pas monté mes persos niveau 50 pour ça, hein, donc c'était pas possible en termes de timing, mais rien. Ah, RB Gotoko tiens qui nous envoie plusieurs messages sur Twitter avec le hashtag FF14Gameblog. Un donjon. Ah non, j'irai pas en donjon, mais par contre j'ai prévu un petit truc justement avec un autre perso. Ah, je peux vous montrer ça. Et il en rajoute un. Il dit va à Limsa ou Lominsa. Non, Limsa Lominsa, s'il te plaît, la ville la plus belle. Non, voilà, non, là j'irai pas. J'ai prévu un petit truc. Tu collègues. Ouais, mais je vais prendre un autre perso. Ok. Puisque j'ai placé mon perso à un endroit particulier, parce que c'est live, ça se prépare à l'avance, tu vois. Et donc du coup, je suis allé chercher un espèce de petit boss, un mini-boss, okay, pour montrer un petit peu le fight, comment ça se passe. Et là, ce sera du corps à corps. Il y a Kelkira qui nous dit que l'interface clavier est parfaitement supportée, et qu'il joue avec un simple clavier-souris sur USB, et que ça marche nickel. Oui, tout à fait. Ça fonctionne, effectivement. C'est une des grosses nouveautés. Pas vraiment le cas, mais j'ai envie de dire, cette version PS4 supporte tout, en fait. On peut y jouer sur Vita, à la manette, avec la combo clavier-souris, tout marche. Ouais. Pas de soucis, quoi. Donc ouais, ça, c'est quand même assez, assez exceptionnel. Ouais, bien micote. Alors, quand tac, je suis trop fort. Tac, 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 tac. Tac, là, voilà. Et donc là c'est marrant parce que j'ai pu doubler mon perso, parce que j'ai changé, parce que tout le monde me dit qu'il faut aller sur Moogle, puisqu'effectivement c'est le serveur historique français. D'accord. Dans les finales. Donc là bon, j'ai ce perso là qui est sur Cerberus, donc j'y vais. Et c'est parti. Tac, hops, tac, tac. Tu ne fais que des persos féminins, j'ai remarqué. Ah mais moi j'aime les femmes à gros seins et voilà. Donc je fais des femmes à gros seins. Voilà. Oh. Ok. Tu veux que je te dise. Voilà. Oh, ok. C'est tout. Alors attends, qu'il y a d'autres qui nous parlent. Il y a Ultra Dope qui nous dit « Yo, Plumo Coco, mimique mes poules. Question existentielle, l'abonnement de 12 balles est-il justifié au regard de la qualité du titre ?» Alors, tout à fait à mon sens. D'abord, faut pas oublier que la refonte d'un MMO, quand même, ça coûte la peau du cul. Hein. Ça leur a coûté vraiment... Et les serveurs très, aussi. Très cher, ça c'est, y a pas le moindre doute là-dessus. Et je pense même que ça les a mis en danger pour Square Enix, parce que, à mon avis, ça n'aurait pas fonctionné, il y aurait eu des morts, à mon sens. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, c'est une promesse vraiment, c'est quand même une promesse de japonais.
et sur l'honneur, hein, ils promettent de balancer du contenu et de pas lâcher leur jeu le plus possible. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Il y a régulièrement des ajouts sur la version PS4, on en est à la toute dernière version du jeu. Ils font tout pour faire vivre l'histoire, vivre leur serveur, etc. Et vivre leur communauté. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Moi je trouve que ça les vaut. Après sur le haut niveau, je vais pas vous dire que je suis allé à fond à haut niveau. Je l'avais fait sur FF11 et un petit peu sur FF14 première version. Là c'est pas encore le cas. Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter si tu veux par rapport à leur investissement et au fait qu'ils ne lâcheront pas le jeu et qu'ils vont continuer à l'alimenter et à le faire vivre pendant longtemps. Rappelons-nous quand même que Final Fantasy XI a vécu, il vit encore d'ailleurs, mais a vécu je pense plus de 10 ans quoi. Ouais. Donc je veux dire, on est à la hauteur d'un World of Warcraft en termes de durée de vie, donc c'est quand même énorme. Moi je me rappelle des larmes du producteur, vraiment ça m'avait, mais même moi ça m'a retourné quoi. Le mec il a dit ah putain, on a donné toutes nos tripes pour ce jeu, il a craqué et il s'est vidé de toutes ses larmes. À ce moment-là, et bon, je me dis, le mec, c'est sûr, il a tout donné, quoi. Pas ça, il ferait pas un cinéma. Non, mais ils sont un nom, je veux dire, nous, ils nous l'ont dit la première fois qu'ils nous ont présenté la chose, c'était très clair, c'est Yoshida qui nous a dit ça. Il a dit, on va tout donner, et ça ne foirera pas. Ils y vont à fond, ils étaient motivés. Et je peux dire que dans la salle, les journalistes, personne pouffait, je me rappelle, c'était en Angleterre, tout le monde disait, mais ils sont fous, ils vont dans le mur, quoi. Et finalement, non, ils ont réussi. Aujourd'hui, ils sont 1,7 million d'abonnés. Ouais, ça ils cartonne. Sont bientôt au 2 millions. C'est de la folie pure, avec abonnement, parce que quand ils nous ont dit c'est avec abonnement, on trouvait ça dingue. Donc. Ils se sont dit, après s'être planté et tout, bon. Et donc finalement, non, ils ont réussi leur pari. Alors, pour un jeu extrêmement dynamique, comme on a pu le voir là pour les combats précédents, là, on va avoir un autre encore un petit peu plus speed. Mm-hmm. Il y a des boss absolument gigantesques, c'est très joli. C'est très facile à jouer. Le système qu'ils ont mis qui permet donc de changer de voix en fonction, enfin, tu peux changer de job en fonction de l'arme que tu utilises. Ouais. Ça, c'est plutôt cool. Et assez efficace. Et les donjons, écoute, moi j'en ai vu quelques-uns, c'est plutôt pas mal. Après, c'est. Il est assez gros. C'est du one-to-one, hein, je suis tout seul avec lui. Alors on peut voir par exemple là je vais utiliser mon sprint. C'est pas utile mais je vais mettre juste comme ça. Hop, l'attaque, j'utilise mon sprint par le raccourci et là, hop, il peut partir pendant longtemps. Donc voilà, c'est permet de voir un petit peu le comment ça fonctionne. Là j'appuie sur la touche R2, hop, et là hop, je vais mettre des petits buffs parce qu'il est en train de me taper, tac, là je suis à fond, et on y va, c'est parti. Voilà. Moi qui ai un système de combo aussi, par exemple, j'utilise là, le glaive à droite, ligne, il y a un petit indicateur qui va apparaître sur le glaive de gauche là, vu que si je fais le combo, le coup sera plus de dommages. Voilà. Question de... Alors là j'utilise un tank, si ça intéresse. De Mr. Fab, c'est le classe. Est-ce qu'il y a des classes plus adaptées que d'autres pour la densité à la manette? Alors moi je dirais que la classe de soigneur c'est un peu tendu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure Là, on peut voir là, vous voyez l'air d'effet du boss qui indique où est-ce qu'il va taper. Alors, ça a l'air tout bête mais c'est super pratique, ça permet de voir tout de suite où est-ce qu'il faut aller se placer. Du coup ça rend le combat de fait plus dynamique. Ils sont plus, on va pas se mentir. Avec le niveau 10, j'attends que j'ai un mec qui me la repasse. Donc voilà, et le truc. Alors là on va faire l'effet de 16. Bon, là ça touche tout, vous voyez, hop, on peut se mettre à l'écart, boum, je le laisse faire son truc, hop, voilà, et là j'y retourne tranquille. Voilà. Évidemment c'est beaucoup de fight contre les boss qui sont basés là-dessus. Une question de placement, c'est très facile à lire, très dynamique à jouer. Donc voilà. Après voilà, pour revenir à l'histoire des classes, moi j'avoue que j'ai fait beaucoup plus de plaisir au corps à corps à bastonner directement que à jouer, j'ai envie de dire, avec un soigneur. Parce que c'est vrai que pour targeter les mecs, il faut le faire à la croix directionnelle, gauche-droite. J'imagine qu'il y a des raccourcis de encore, c'est une question d'habitude. Mais je dois reconnaître que c'est extrêmement. Déstabilisant au début de la manette, surtout si on a l'habitude de la combo clavier souris. Donc je recommande surtout pour le heal, j'ai envie de dire, de jouer le clavier souris, ou alors d'être patient. Alors, il y a encore plein de questions justement par rapport au prix de l'abonnement, auquel on a parlé tout à l'heure, hein, c'est 12€ par mois. C'est un petit peu plus que ça, je pense que c'est 99€. Alors, il y a Léagan par exemple qui demande. Qui dit FF14 a réussi son pari, c'est cool, mais est-ce que comparé à d'autres MMO, le prix de l'abo est pas trop élevé? En fait, c'est très. C'est une bonne question parce que, effectivement, en termes de contenu aujourd'hui, il est battu par exemple par World of Warcraft, qui est un contenu qui est beaucoup plus gros, c'est indéniable. De notre côté, il arrive plus tard, hein, ce jeu. Donc voilà. On peut se demander si effectivement le prix de l'abo était pas un peu fou. Moi, j'ai trouvé ça un peu fou quand ils m'en ont parlé. World of Warcraft a 10 ans cette année quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Non, cette année. Non, je dis ça parce que tu devrais peut-être faire un dossier. Ah, ok, d'accord, voilà. je le note. Ouais.
Il y a un moment, il faut aussi que j'arrête de jouer à ce jeu, parce que tu vois, c'est que bon. Mais bref, voilà, donc c'est une question effectivement qui est légitime, j'ai envie de dire. Pour ça, il faudrait aller à haut niveau et tout défoncer à haut niveau. Sais qu'il y a déjà beaucoup de contenu, il y a effectivement énormément de tasses à débloquer, il y a énormément de choses à faire en craft aussi de ce côté-là. Il y a moyen de faire du housing, c'est-à-dire créer ses propres baraques, etc. Il y a énormément de customisation, il y a plusieurs villes, il y a une énorme histoire qu'ils vont continuer à développer. Moi, je trouve que c'est justifié. Voilà. Après, je pense qu'ils s'alignent sur le tarif, j'ai envie de dire, un peu plus classique de tout le monde. Ils ont fait des efforts pour la transition, je crois, du passage de la version PS3 à la version PS4. Je crois que c'est gratos jusqu'au 31 décembre 2014. Si vous avez la version PS3. Après, tu payes pas grand-chose. Hein, après, tu payes pas grand-chose. Donc voilà, ils font les efforts. Maintenant, je pense que ça leur a tellement coûté que du coup, ils sont obligés d'essayer de rentabiliser leur truc, ce qui est normal. De là à dire si par rapport à la concurrence, je suis sûr qu'il y a effectivement des MMO free-to-play. Qui tiennent sûrement la dragée haute en termes de contenu à Final Fantasy XIV. Maintenant, je ne pense pas qu'ils soient aussi beaux et qu'ils seront aussi entretenus que ce qu'est en train de faire Square Enix aujourd'hui. C'est mon avis, ça. Voilà. Après, ça se voit sur le long terme. Je ne peux pas répondre aujourd'hui à la question. Bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que tous les gens qui sont retournés aujourd'hui sur Final Fantasy XIV, Realm Reborn, et qui avaient abandonné Final Fantasy XIV Online, sont hyper satisfaits et payent leurs abonnements. Je veux dire, c'est quand même une preuve. On a 1,7 million de personnes qui sont prêts à payer. Donc c'est quand même un gage de qualité, j'ai envie de dire. Faut dire, il y a des beaux cadeaux aussi. Hein. Je crois que les versions PS3 et PC déjà qui ont baissé de prix, hein, qui sont passées à 30€ me semble-t-il, y a 30 jours offerts, je crois, déjà, de base. Hein. Ah, de base, donc ça, de toute façon, c'est tout classique. C'est classique. S'ils te demandent un abonnement, généralement, ils te filent un mois partout. Ils n'ont pas rallongé encore la période, je sais plus. C'est possible. Il me semblait qu'ils avaient rallongé encore la période. Bref, il y a plein de questions. Concernant l'abonnement, encore une fois, que ce soit short. Non, mais c'est des questions auxquelles on n'a même pas besoin de s'étendre, qui demandent si c'est payant en plus de l'abonnement au PSN, évidemment. Ça, c'est, bien sûr, oui, ça s'ajoute, hein, c'est à part. C'est à part. Kevin qui nous disait tout à l'heure que le son du jeu était un peu fort, j'ai baissé. Normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Ok, je peux peut-être baisser moi de mon côté le son du jeu. Ensuite, bonjour à la communauté. Sinon, l'ergonomie à la Vita, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ouais. Est-ce que c'est du niveau d'un AC4 ou d'un FIFA? Sachant que AC4 il dit glop et que FIFA pas glop. Alors, d'accord, ok. Moi je te dis que c'est confortable pour l'utiliser pour les moments calmes, j'ai envie de dire. Donc, tout ce qui est crafting, exploration, petits combats en solo. Tout ça, ça va. Dès que tu commences à faire du groupe et du HL, c'est un peu le bordel. Parce qu'en fait, on perd en visibilité quand même, vachement. Et on a énormément besoin de bien voir la situation. Il faut que ce soit bien clair, en fait. Et c'est une des forces du jeu, d'ailleurs, quand tu joues sur un écran normal, c'est que c'est très clair à lire. Sur la Vita, tu perds un peu en lisibilité. Donc pour le coup, c'est moins confortable. Mais dans le feu de l'action. Parce que ces boutons-là, ils sont derrière. Donc c'est un peu plus touchy, j'ai envie de te dire. Il y a sûrement des gros fous furieux qui vont y arriver et être très à l'aise avec. Moi, je suis persuadé qu'au bout d'un moment, ça va me fatiguer. Donc du coup, à haut niveau, non. C'est clair que non, tu joues. Je pense pas que tu joues à la Vita. D'accord. Il y a Bertrand Clavry qui demande... La musique ont l'air très bonne. Oui. Un avis comparé aux autres BO des Final Fantasy. Ouh là là, faut déjà les avoir toutes écoutées. Ouais. On est effectivement très proche dans l'esprit de ce qu'on fait dans les Final. Après, te dire c'est plus proche de tel FF ou tel FF, non. Je peux pas te dire. En tout cas, c'est parfaitement dans l'esprit FF. C'est souvent très bien trouvé et en accord avec l'action et ce qui se passe à l'écran. Donc pour le coup, j'ai pas été déçu à un seul moment de ce que j'ai pu écouter jusque-là. Après, c'est très subjectif aussi. Hein. Moi, je trouve qu'une des plus belles BO, c'est la BO de Final Fantasy XIII, par exemple. Je sais pas pour vous, mais voilà, moi, je trouve que c'est une des plus belles. Comme tu veux. Voilà. Pas de soucis. On peut en parler, s'il vous plaît. Non, on va éviter. Il y a Géo qui nous dit salut à tous, désolé pour le retard. Bah non. Il n'y a pas de soucis. Non. Non, moi, il n'y a pas de problème, c'est cool. Ah bon, bah ok. Alors moi, je veux juste que Plume me dise bonjour dès le début du live, c'est tout. Je te dis bonjour, je te demande comment ça va, je te signale. Merde, à la fin, tu veux vraiment que je me casse de ce live, tel Jean-Vincent Passé. Parce qu'en fait, t'as trop peur de choper mes microbes, c'est tout. Ah non, non, mais j'en ai déjà. J'en ai déjà pas mal. Je te jure, j'ai le nez qui va exploser. Si jamais vous voyez des choses qui ne sont pas propres, dites-le moi. Hein. Ça va, la résolution de la caméra n'est pas assez forte pour qu'on puisse tout attraper. Bon, ça tchatche là, dis donc. Maiden Cloud qui demande est-ce que la version PC supporte la manette? Bah ouais. Oui, évidemment. Ouais. Sous ça, je peux vous dire, j'ai testé. Oui, tout à fait. Et c'est la même configuration d'ailleurs, ça fonctionne de la même manière. Ils ont été d'ailleurs très malins puisque du coup ils peuvent. Ils ont pu mettre ça sur. Ah, il y a même PS3, ce qui nous dit PC, pas besoin du PSN Plus pour pouvoir jouer. On parlait pas du Plus, on parlait de l'abonnement tout court. Ouais, c'est l'abonnement classique, ouais. Ouais. Bah, l'abonnement classique, il n'est pas payant. Si. Bah, non, mais t'as besoin du PSN Plus pour pouvoir. T'as besoin d'être PSN Plus pour pouvoir jouer en ligne sur PS4. Donc logiquement. Quoi qu'il arrive. Bah oui, logiquement. Ah, oui. Je me souvenais plus ça. Donc logiquement, c'est bizarre ce qu'il me dit. C'est peut-être pour. Ça, c'est bizarre ce que tu dis. Si j'ai bien compris, t'es en train de dire qu'on peut jouer sans avoir. Sans être membre PS Plus. Ouais. J'ai compris que.
Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais, il semblait aussi que maintenant, ah non, jeux, si tu veux jouer en ligne sur PS4, il faut payer. Donc, pas de doute là-dessus. Alors, Géo qui dit, je suis un habitué des lives de Dominique, il a intérêt à me pardonner, mais c'est déjà fait. T'inquiète pas, il t'a pardonné. Alors, parlons des aléas, tiens, ça tombe bien. Hop, les aléas, c'est quoi aléa? Alors, en fait, c'est un truc hérité de Warhammer Online, me semble-t-il. Qui, en fait, sont des espèces de quêtes qui apparaissent comme ça sur la map au hasard. On peut voir en haut à droite, là, tu vois, sur la map, il y a des petits personnages qui il y a une espèce de petite tête là, en haut à droite sur la map, qui indique en fait où se passe l'aléa, c'est-à-dire que tous les gens qui sont dans le coin peuvent y aller. Se battre, donc on affronte tous ensemble une créature, on n'a pas besoin d'être groupé ni rien. On est dans un fight particulier, plus on participe à ce fight, plus nos rewards vont être grands. Et c'est complètement aléatoire en fait, enfin pas complètement aléatoire, mais donc ça apparaît de manière aléatoire dans les différents décors. Je crois qu'on va se faire reprendre de voler tout le temps. J'ai pas de PS4, donc vous pouvez pas savoir personnellement, il me semblait, mais bon. Ils sont tous en train de dire que non, le PS4 c'est pas obligatoire pour jouer online. J'ai compris ça, moi. Moi aussi. Je viens de prendre un abonnement PS+ pendant un an et quelques, là, donc on va arrêter tout de suite. Là. Moi, c'est ce que j'ai compris depuis le début. Sur PS4. Mais non, mais sur PS3, il parle. Sur PS3, oui, pas sur PS4. Sur PS4, on doit payer, les gars. C'est vrai, il n'y a pas besoin de PS+, pour ce jeu, étant donné qu'il en a un abonnement. Sur PS3. PS4. Bon, écoutez, on ira vérifier, hein. Peut-être qu'on dit des conneries si vous êtes sûr de votre coup, mais moi dans ma tête, pour jouer sur PS4, ouais, moi, tu dois payer. Hein. Ouais. Donc vous parlez peut-être de la PS3. Alors attends, qu'est-ce qu'on a autour? C'est quelqu'un qui demande, je vois un truc sur les dialogues là. Ouais. Et, en fait, il y a des dialogues. Parlés. Alors là, on peut voir, voilà, par exemple, j'ai eu une médaille d'or sur le dessus. Cool. Avec un bonhomme, donc j'ai plus d'expérience et plus de thunes. Et tu dois choisir ton. C'est normal, du tout. Là, j'ai pris ce qu'il m'a donné. D'accord. C'est pour les loot d'ailleurs, ça tombe directement dans la poche, hein, t'as pas de prendre la tête avec ça. Je vois quelqu'un qui parlait tout à l'heure de. Donc Kevin qui nous dit aucun abonnement sur PS Plus, ni sur PS3, ni sur PS4. C'est ouf. Ah oui, moi aussi. Donc tu joues comme ça. Il y a juste besoin de l'abonnement FF14, c'est tout. C'est inclus directement dans le PS Plus? Bah, on dirait. Ah, c'est inclus directement dans l'abonnement PS4? Non, dans l'abonnement du jeu. Ah, c'est le jeu, ça monte sur là. Dans l'abonnement du jeu, et du coup, tu te retrouves c'est quoi, ça sur le PSN. Ça, c'est une monture. Mais c'est une Magitek Armor. Ça te rappelle quelque chose, hein? Bah, attends. Effectivement, ça vient d'un autre final. Mais ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que ça sort? Mais c'est une armure Magitek. Et alors, c'est un truc d'FF6. Bah, qu'est-ce que tu crois? C'est quoi? C'est Final Fantasy, regarde. Attends. Oui, mais les armures Magitek, j'en ai pas revu depuis FF6, moi personnellement. Bah, voilà, t'en vois. Donc là, encore. Combien c'est l'abonnement? Je vais aller m'en acheter un tout de suite. parce que bon. Alors, attends. Non, alors. Je savais pas ça. Ah, je suis perdu. Hop. Voilà, j'ai dû louper la news. On a dû en faire une news et j'ai dû la louper. C'est parce que ça, parce qu'il y a un truc qui te rappelle un vieux jeu, mais t'es un enfant. Bah, bien sûr. Bien que tu es un enfant. Et meilleur donc là on peut voir qu'il y a encore un autre aléa en cours auquel je participe là comme ça, hop, nickel. Donc voilà, excusez-nous, hein, on pensait tous qu'il fallait tous les deux qu'il fallait un abonnement PS Plus. Non mais je trouve ça vraiment super bizarre, hein. Donc là il y a un truc que moi j'ai pas compris, moi j'ai fait que. Après je reconnais que j'ai pas essayé de bonnement, donc faut pas vous dire. Mais moi je sais que j'ai payé direct pour l'abonnement PS Plus et depuis je me pose la question sur PS4. Mais après c'est effectivement qui prend une cote. Alors, des carpenteries sur Twitter avec le hashtag F14GameBlock qui demande s'il y a des lags ou des ralentissements. Non, j'ai rien vu de tel. Alors, enfin je mens. J'ai eu quelques. Il m'est arrivé d'avoir quelques lags. Des ralentissements non, parce que techniquement il n'y a pas de problème, la PS4 elle tire largement le truc. Après effectivement c'est des lags qui peuvent se produire. J'ai eu ça de temps en temps quand je courais très vite, donc quand j'avais le sprint, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et d'un coup je me mettais à tourner avec le stick. Et en sprintant, et ouais. En fait la commande répondait, on va dire, 2 secondes après. Voilà ce qui m'est arrivé, généralement c'était en ville, quand il y avait du monde. Pour autant, il n'y a pas de concession, et ça a été bien précisé aussi à de nombreuses reprises par Yoshida pendant qu'il nous avait fait la presse à l'époque où il nous a présenté la version PS4. Il n'y a pas de concession par rapport à la version PC. Sur PS3 par exemple, tu as des mecs en moins, etc., qui disparaissent, des joueurs en moins, tellement c'est pas possible, tellement il y a des joueurs à certains endroits, et en fonction des activités. Là, il n'y a pas ce problème-là du tout sur PS4, tous les joueurs sont affichés, et voilà. Donc moi, j'ai pas vu de truc ouf de ce côté-là, vraiment pas. Hop là, tiens, regarde, il y a encore ton armure Magitek. Boum. Oh là là, mais j'en veux une. Voilà. J'en veux une en vrai. J'ai pas encore de monture là. Pour remplacer ma bagnole.
Didi qui demande, vous pensez pas qu'avec les joueurs PS4, les serveurs vont être tout le temps pleins et qu'on va se marcher dessus? Alors, bon, le jeu est censé sortir là, donc je sais pas. Il est pas en trop. Bêta jusqu'à vendredi, c'est ça? Ouais, en fait, il est encore quelque part en bêta, en fait, là. Mais il sort officiellement aujourd'hui. Voilà, il sort officiellement aujourd'hui, mais ils sont encore un petit peu en bêta. Donc, c'est censé être en bêta, il nous avait dit jusqu'à août prochain, à la base. Et on croise les joueurs PS3 et PC, donc. Ouais, normalement, ouais. Après, je suis pas allé tous leur demander, mais oui. Mais alors, après, effectivement, il y a eu une saturation à un moment, par exemple sur Moogle, je pouvais pas me connecter. Mmh. Et puis finalement, là maintenant, depuis quelques jours, je peux. Alors, parce que la phase de bêta s'est terminée, le jeu se relance aujourd'hui. Upgrader les serveurs aussi. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Mmh. Donc là, c'est plus calme, il y a de la place pour l'instant. Effectivement, il y a sans doute un risque. Après, moi, je suis pas chez Square Enix au Japon, je peux pas vérifier, ça va se faire sur la longueur. C'est sûr que sur la version PC, il y a eu des gros problèmes. Mmh. Au moment du lancement, il y avait trop de monde d'un coup. Je parle pour Unreal Reborn. Donc il se peut qu'on ait ce problème là, c'est vrai. Après, je suis pas Madame Soleil, donc Tu peux montrer l'utilisation de ces cristaux, tiens. C'est énorme, tout à fait. Les cristaux. Alors le principe des cristaux... Tu synchronises déjà? Ouais, tu te synchronises, ça te permet, en fait, là je peux l'enregistrer par exemple comme un point de retour. Donc par exemple, quand je meurs, c'est là que je vais revenir. Le truc, c'est qu'en fait, après, tu peux... Bon là, faut que je revienne en ville, donc je vais vous montrer. Alors, tac, voilà. Hop, je vais vers Luda. Donc là, c'est là où j'ai placé, c'est la pierre de foyer, si tu préfères, ça te ramène à un endroit. Et donc ces gros cristaux, au sein de la ville, en fait, te permettent... Ça te permet de... Si par exemple j'étais mort dans le coin, j'aurais pu revenir directement sur ce cristal si j'avais été synchronisé avec lui. Mmh. Au sein de la ville, ça me permet de me balader d'un cristal à l'autre, et donc d'une partie de la ville à l'autre. Ça tombe bien, parce que les villes sont assez complexes quand même, mine de rien, au début, quand tu connais pas. Donc ça te permet de voir où est-ce que tu vas te téléporter, à tel endroit tu vas, etc. Tiens, attends, j'en profite pour répondre à la question de Wawa et de Géo qui posent exactement la même. Va falloir suivre un petit peu, les gars, hein. Bon, vous arrivez en retard, je vous en veux pas. C'est le prix de l'abo, c'est toujours 2,99€, ouais. On en parlait tout à l'heure. Exactement. Déjà. Réseau de transport. Pardonne. Ça se trouve, produit d'une connerie, c'est 13,99€, mais bon, bref. Oui, ça se trouve, c'est voilà, mais bon, c'est dans le prix normal, quoi. Non, 30€, non, ça je crois pas, par contre, ça je suis sûr qu'on dit pas de conneries. Alors après, donc je vous ai expliqué, là, moi c'est ce cristal-là qui m'est enregistré comme point de retour. Mm-hmm. Je peux utiliser donc le réseau de transport urbain éthéré, donc ça me permet de me balader d'un coin à l'autre de la map. Donc là, on va dire que je vais aller, je sais pas, à la guilde des aventuriers, plutôt des marchands. Et donc voilà, ça me permet de me téléporter directement. Et là, on est au sein de la même ville, en fait, et donc de gagner du temps. Le fait est qu'il faut quand même connaître un petit peu cette ville pour pouvoir s'y repérer, parce que si tu connais pas les grands trucs, mais ils sont expliqués dès le début. C'est une des grandes forces du jeu, là encore, ils t'accompagnent partout, t'as des menus qui apparaissent dans tous les coins. Mmh. Dès que tu fais un nouveau truc, dès que tu commences à te déplacer, ils t'expliquent comment on se déplace, comment on target, comment on suit une quête, comment est-ce qu'on se balade à travers les menus, voilà, comment ça fonctionne, à quoi sert l'arsenal, par exemple. C'est quand même tout fou au niveau de l'interface, hein. Alors, il faut reconnaître quand même qu'il y a des... Évidemment, c'est un MMO, hein, mais franchement, ouais. Ils ont bien simplifié une fois que t'as compris les trucs dont tu le sers le plus, par exemple, là c'est le journal, voilà. Là t'as tes quêtes, boum. Tu appuies là-dessus, hop, donc tu t'expliques la quête, tu appuies sur carte, voilà, il va t'indiquer où est-ce que c'est, tu appuies dessus, et après tu as une flèche qui apparaît qui va te montrer où est-ce qu'il faut aller. Donc c'est relativement simple. Il faut aussi voir qu'on peut changer toute l'interface, alors j'avais essayé de le faire. Je sais plus où est-ce que je l'avais fait, je me rappelle plus exactement. C'est pas ça, donc ça c'est pour l'aide. Où est-ce que j'avais mis ça, je me rappelle plus, c'est dans la TH, voilà. Là par exemple, je peux pas y toucher, hein, mais tu vois où je veux en venir? Ouais. Tu peux tout reconfigurer, ouais, dans tous les coins, etc. Des macros, voilà, ils ont filé toutes les options possibles et je trouve que franchement, c'est relativement clair, quoi. Mm. T'as ton perso, ouais, voilà, c'est juste tout le truc. À première vue, hein. Tu vois, comme ça, là, je regarde le truc, je me dis, oh là, y a plein de choses à apprendre. Ah mais de toute façon, le jeu, ok, tu dis ça de manière positive, c'est ça que tu veux dire, c'est qu'il y a plein de trucs. Positive et négatif, parce que c'est chargé. T'es submergé. Non, parce que t'es submergé dès le départ. Bah tu sais quoi, viens jouer aujourd'hui à World of Warcraft, ouais. Avec tous les add-ons que tu rajoutes. Mm. Et les interfaces que t'as, là tu te retrouves avec un truc quand même relativement simple et clair. Hein. Je veux dire, avec ta palette de coups en dessous, là, avec les raccourcis sur la manette. Clavier, hein. Voilà, c'est très simple, t'as ton chat là-bas que tu peux ajuster, t'as tes quêtes là-bas. Mm. Là en bas à droite c'est mon sac, là j'ai ma tune en bas à droite, en haut j'ai la carte, je peux rajouter une petite carte ici pour avoir plus de détails si j'ai envie. Je veux dire, c'est quand même relativement simple et accessible et facile à comprendre. Alors qu'aujourd'hui, un WoW, franchement, tu vois un WoW pour la première fois, c'est la panique absolue en combat. C'est un bordel pas possible, quoi. Et c'est plus chargé que ça. Tiens, il y a Kalkira qui nous dit pour le lancement PS4, il y a eu aussi un nouveau serveur, Zodiac, qui a été lancé. Oh, un Carbuncle, regarde. Géo qui demande s'il n'y a pas un collector avec un abonnement dedans. Si, il y a une version collector pour la version PS4. Si. Mm. Wawax qui nous dit j'ai testé la version bêta PS4, c'est vraiment bon. Ah oui. Juste, ça manque de dialogue, on croirait dans un film. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, voilà. Donc il y a des dialogues de temps en temps sur des scènes clés, en fait, où t'as des voix qui interviennent. Donc voilà, ça c'est plutôt cool et c'est en français. Par contre, il faut reconnaître que pour la plupart,
des événements de quête, etc. C'est de la lecture à l'ancienne. C'est un problème qu'il y a aussi WoW, on va pas se mentir. C'est le même syndrome. Et là où ils sont tous battus à plate couture, c'est par Star Wars The Old Republic aujourd'hui, où tout est doublé, effectivement, à la voix. Et ça donne quelques... Enfin, ils ont apporté un truc, même si Star Wars s'est pris une torse, s'est pris une grosse cahouette. Il y a quand même eu un... Il y a quand même, ils ont marqué une grosse étape hein, avec ça. Alors, c'est tout joli celui-là. Il y a Didi qui demande si, selon nous, FF tiendra sur le long terme. Square Enix a quand même connu des difficultés financières avec la current gen. Oui, c'est exact. Après, je peux pas. Moi, je suis pas très inquiet pour eux parce que je pense qu'ils sont quand même. Ils ont une carte magique de toute façon. Ouais, si jamais un jour ils vont mal, ouais. Ils disent. Bonjour, on a un remake de Final Fantasy VII. Tu crois qu'ils se le gardent sous le coude pour ça? C'est ce que... Enfin, on est beaucoup à le penser, en tout cas, c'est ouais. Que ça... C'était une rumeur, je veux dire. Okay. Le jour où ils le balancent, c'est qu'ils sont dans la merde et qu'ils ont besoin de renflouer les caisses, et ça va marcher. Ok, sûrement, bah, tout à fait. Mais je veux dire, au-delà de ça, ça c'est des spéculations, etc. Oui, je pense que de toute façon, tu te lances pas déjà dans l'aventure MMO sans avoir l'air assez solide pour la tenir. Là, ils ont quand même fait un relancement, je veux dire. Ils se sont pas dit à un moment, bon, on va y aller et on va se prendre une cahouette. Ah. Non, pour l'honneur. Même s'ils disent aujourd'hui c'est pour l'honneur, etc., ils ont quand même fait leur calcul. Donc ils savent que ça peut fonctionner et ils en sont très fiers puisqu'ils font leur portage. Enfin, ils en sont très fiers. C'est une réussite puisqu'ils font leur portage PS4 après avoir fait la version PS3, enfin la version PC et PS3. Donc je veux dire, ils sont pas dingues les mecs. Ils ont quand même des businessmen derrière qui font des plans, hein, je veux dire. Donc c'est que ça doit fonctionner. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Après, je suis pas dans leurs finances et je peux pas savoir. Maintenant, c'est Square Enix, ça fait quand même un bon paquet d'années qu'ils sont là. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Mais c'est vrai que les temps sont durs quand même. Ouais. Et on l'a senti comme aussi les en France. Hein. Oui, exactement. Donc voilà. En gros, ce qu'il y a à peu près. Alors attends, il y a Ultra Daube qui nous dit finalement, est-ce que FF14 n'est pas la meilleure exclue PS4? Bon, on va peut-être pas oublier Mufemus non plus. Non, clairement pas, mais je veux dire, c'est tellement un genre à part. J'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est en tout cas un jeu qui est abordable, très finalement assez casual quand tu y rentres doucement dedans. Après, à haut niveau, il y a des trucs à faire, hein. Mais je veux dire, ça reste assez casual, assez friendly user globalement. Ouais. Donc pour le coup, c'est assez agréable. De là à dire que c'est la meilleure exclue, je sais pas. Ça dépend, si t'aimes pas les MMO, je vois pas en quoi c'est la meilleure exclue, enfin, tu vois. Dans ce cas-là, il y a effectivement une Famous ou d'autres choses si tu kiffes, mais voilà. Ça. Non, je pense que c'est très subjectif, un choix de genre. Tenez, on va vous poser des petites questions au passage, hein. Vous vous exprimez pas beaucoup depuis tout à l'heure, non, je déconne. C'est quoi votre FF préféré, déjà, pour commencer? Quel est celui qui vous a le plus plu? Alors toi, c'est le 6, on a compris, hein. Bah, je crois qu'est-ce qu'elle est belle, elle, rien. Je crois que tout le monde est au courant, ouais. Je ferais bien un petit bisou, viens-moi comment c'est propre. Ouais, c'est même transparent, tellement c'est propre. Oui, non, c'est parce que j'essaie de lui faire du rentre-dedans, tu me connais. Mimic, as-tu déjà un personnage culte à l'image de Sean Toto de FF11, présente dans cet épisode et dans Dissidia? Non. Non. Non, j'ai pas ça. Alors, il y a Wawa qui nous dit que c'est FF7 son préféré. Bah moi je suis d'accord avec lui en fait. Pour moi c'est pour la nouvelle gêne, dans les grands classiques tout le monde parle du 6, bon ok, mais tellement on en parle au bout d'un moment, moi je pense que ça suffit. Donc moi c'est le 7, il y a beaucoup de gens qui aiment le 8 et le 9, mais moi je suis pas vraiment d'accord avec ça. Legan qui dit FF8 bien entendu. Alors moi j'ai eu une... pas te mentir, hein, j'ai plein d'amis qui adorent le 8 aussi. J'ai du mal à comprendre, j'ai même une ex qui aime le 8, qui préfère le 8 à tous les autres FF. J'ai du mal à comprendre. En fait, moi, ce qui m'a énervé dans le 8, c'est le syndrome un peu... C'est les bisous. Oui, alors évidemment... Les mamours, moi, ça m'a énervé. Je suis assez d'accord avec ça. Mais moi, c'est surtout ces squales, en fait. C'est ce côté un peu ado, perdu, c'est pas trop où il va, ce qu'il va, etc. C'était Titanic à l'époque, hein, oui, film... Oui, bah, c'est ça. Exactement, c'est voilà. un peu trop gnangnang à mon goût. Moi, je préférais le côté un peu plus dramatique et sérieux, et finalement noir, en fait, de Final Fantasy VII avec Sephiroth. Et les musiques lourdes, etc. Même si les personnages étaient en SD. Pour autant, mon héros préféré, c'est pas Clad, enfin Cloud. Pardon. C'était qui? C'était Vincent. Oh, Vince, c'était fabuleux. Vincent était incroyable. Quand tu le trouvais dans l'espèce de dans le cercueil, hein. Tour, le cercueil au fond, là, c'était classe. Ouais. Non, Vincent, il était génial. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a eu son jeu pourri, hein. Pourri, hein. Ne nous mentons pas, c'était un jeu bien pourri. Mais c'est vrai que c'est lui que j'ai le plus, lui et Rouge 13, évidemment, que j'ai le plus. Ah, tu dis ça parce que t'es l'ami des animaux aussi. Oui, c'est vrai. Bah non, puis même... Bon ok, c'est parce que je suis l'ami. Ok, très bien.
Donc effet fuite, oui, pourquoi pas effet fuite, hein, mais bon... Après... Faut être tolérant. Faut être tolérant. Chacun son exactement. Truc. C'est juste que dans une fusée, moi, les deux qui s'embrassent avec une chanson derrière, ça m'a un peu refroidi. C'est vrai que là, maintenant que tu me le dis, ça me revient d'un coup, Titanic. Là, je me dis, ah oui, ça me dit quelque chose. Ils vont juste dans l'autre sens. Il y a quoi d'autre? Il y a Géo qui nous dit, honte à moi, j'en ai fait aucun. Oh là 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 là. D'autres... Maiden Cloud qui dit FF7, mais c'est vrai, c'est mon premier. FF5, moins de persos, donc on s'achète plus, me dit Mems. Léagan qui rajoute sûrement, car mon premier FF, le 8 surtout, je pense. Oui, Squall mérite des claques. Zell aussi, d'ailleurs. Zell, c'est tatoué, non? C'est ça? Oui. Ouais. Effectivement. Kevin qui nous dit, le 7 est mon favori, mais j'ai beaucoup aimé le 8 aussi. Bah, le 9 était vachement intéressant avec son système. Oh, bah, 9, il m'a fait chier. Alors, non, mais l'histoire était intéressante. Chiante. Mais c'est l'histoire des armures en fait, que tu pouvais upgrader des pièces d'armure, que tu pouvais upgrader. Moi, j'ai trouvé ça cool dans l'idée. Après, c'était pas le meilleur non plus, hein, loin de là. Mais j'étais dégoûté parce qu'il y avait le retour du character designer historique, Yoshitaka Amano. L'équipe était là, quoi. Oui, je suis d'accord. Et je l'ai trouvé chiant. Bah, j'étais dégoûté. Après, franchement, c'est pas pire qu'est-ce qu'il y avait avec le 10. Ah non, le 10 c'est très très bien. Bah moi je suis pas... Je dis pas que l'histoire pour le coup était plus intéressante, l'univers était plus intéressant, mais le fait d'avoir tout le travail tout mâché pour savoir où aller, etc. Ah ouais, mais ça me fatiguait, moi. Ça m'a pas plu. C'est espèce Lulu, de... quoi. Le... Oui, ok, Lulu dans le 10. D'accord, mais je veux dire, le fait qu'il y ait le petit plan et que tu saches où aller directement et tout, enfin, c'était trop tôt, à mon sens. C'était trop tôt pour la casualisation, oui, c'est ça. Ouais, je trouve. Yannick qui nous dit, sérieux, c'est bien dommage de devoir payer un abonnement en plus. Je l'aurais pris, il a l'air super, qu'en pensez-vous? Bah on en pense qu'il est bien, hein. Ah oui, c'est un très très bon MMO, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs le test est disponible sur Gameloc, c'est H qui s'en est occupé. Tout à fait. Il y a une petite mise à jour, hein, pour la version PS4. Oui, pour la petite mise à jour pour la version PS4, en effet. Alors, Mila aimerait vous confier une mission qui va vous opposer à des maîtres d'Ast. Truc affreux, Léa Kim nous dit, moi j'ai commencé par le 13, c'est pas bon, effectivement. Bah écoute, ça, là après, moi je suis d'accord que c'est pas les meilleurs FF les 13, on est bien d'accord là-dessus. Mmh. Pour le coup, c'est pas des mauvais jeux, mais ce sont des... Enfin, c'est pas des mauvais RPG, mais c'est des mauvais FF. Ouais, voilà. Et puis c'est des mauvais RPG quand même. Non, ils ont pas... Le 10 qui nous mâche le travail, le 13 c'est un couloir. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord, mais d'un autre côté, le 10 c'était déjà un couloir. Hein. Ouais, mais c'était un bon couloir. C'était pas mauvais, hein, le 13, c'est faux de dire ça. Wow. Je suis absolument pas d'accord avec avec Vanille... Vanille est souvent, mais pourtant il y avait d'autres persos qui te permettent de t'identifier d'une autre manière, quoi. Il y en avait pour tout le monde. Donc non, moi je trouve que les gens ont été très très durs. Maintenant, effectivement, c'était peut-être un peu trop casualisé. Oui, Emeric est en train de mourir en direct. Ah oui, hein. Moi je suis en train de crever là, maintenant c'est fini. Alors, par contre, j'ai pas pris la quête ou quoi? Géo qui nous dit, j'avais commencé par le 13, mais j'ai pas du tout aimé le système de combat, alors que c'est peut-être le truc le plus réussi. Ah pourtant c'est le truc le plus réussi du jeu, ah, ouais. Ça ouais. Ça c'est hyper dynamique, ouais. Ça avait la patate. Le seul problème c'est de pas pouvoir déplacer ses gars, quoi. Ça c'était chiant, le déplacement automatique c'était une galère absolue. Didi qui nous dit, de toute façon j'imagine que Square Enix va réinvestir dans les FF solo grâce à ce FF14. Oui, puis bah ça, je pense qu'il y a d'autres trucs qui marchent assez bien, hein, pour eux. N'oublions pas, les cartes prépayées sont dispo à ce jour pour 18 ou 20 euros pour 60 jours. Honnêtement, ça vaut le coup, nous dit Ninjado. Bah effectivement. Il se perçoit des lunettes. Il y a des lunettes dans FF. Bah regarde, la preuve. Tu pourrais être un perso de FF. Bah ouais. Je me dis que Bayonetta pourrait être un perso de FF. Non, ça suffit que Bayonetta. M'énerve. C'est vrai? Ah ouais. Bah, oh putain, c'est un bon point pour moi, c'est peut-être moi qui fais le test. Merci. Ah ouais, ça, alors là, sans aucun problème. C'est vrai? Ah ouais. Mais c'est pour l'ambiance, toi, que tu dis ça, pas pour le système de combat. Non, le système de combat est bien, y a pas de soucis. Bien qu'il y a encore le fameux débat pour savoir. Oui, non, là. Si c'est mieux ou pour même un qui a un DMC, moi, très honnêtement, y a pas photo. DMC4, ouais, tu m'avais dit, au-dessus. Moi, j'étais resté sur celui de Bayonetta comme. Ouais. Moi, c'est celui de DMC4 vraiment au-dessus, sans. Vraiment, purement pour le système de combat, quoi. Et celui de DMC là est en dessous de ces deux autres, là. Donc du nouveau DMC. Ah ouais. Ah ouais, à mon sens. Ouais. Ah, mais pour autant, il est très très bon le DMC. Le dernier DMC est super bien. Extraordinaire. Alors, il est super bien. Mais le système de combat, tu peux faire moins de choses que tu pouvais en faire dans Bayonetta ou dans DMC 4. Je l'ai fait assez vite, à vrai dire. DMC 4, c'est une exception, quoi. C'était incroyable. Est-ce que la BO complète est dispo à l'achat demande au... Oh, j'en sais rien du tout. Et tu sais quoi, connaissant Square Enix, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait fait. Oui. Après, pour te le confirmer, j'en sais rien. Mais ça doit être issu de regarder sur le net pour savoir. Ça me fait penser que chez moi, j'ai toujours la BO du 12. Oui. Que je dont je ne me sers jamais. Le 12 est super classe aussi. Ouais. Le 12 était juste incroyable. Mais je me demande si un jour je le ferai pas gagner. Parce qu'elle est toujours sous blister et tout, hein, toujours la BO du 12. Tu l'es fait rêver là.
Tu vends du rêve. Je pense qu'un jour je vous la ferai gagner, que ce soit sur Gameblog ou sur ma chaîne à moi, le jour où Twitch fonctionnera très bien sur Xbox. Il y a des soirs où ça fonctionne, hein, tu l'as vu. Ouais, il y a des soirs où ça fonctionne pas du tout. Il y a des soirs où ça fonctionne pas du tout. Je tombe sur cela. Mais il faut pas se décourager. Moi j'ai réessayé hier soir, on a fait le petit Dead Rising 3 là, et franchement, d'ailleurs tout est sur YouTube. Ouais. Mimic 148 sur YouTube si vous voulez aller voir. Et vous verrez ce qu'on a fait hier soir, c'est plutôt classe. Oui, avec madame. Oui, il y a madame effectivement qui est dans le fond. Parce que j'ai aperçu madame dans le fond qui était pas derrière toi. Tu sais qu'elle était crevée la pauvre, on pouvait plus. C'est vrai. Mais en fait elle est malade aussi donc du coup. Mais elle avait l'air passionnée quand même quand tu jouais quoi. Bah ouais, elle aime les jeux vidéo mais elle est en cure de désintox donc je veux dire, elle a énormément joué à Battlefield 3 il me semble. Et je veux dire, c'est à ce côté son temps, une époque donc là elle y va mollo. Mais hier pareil, quand on a commencé Dead Rising, c'était donc hier soir. Et j'avais une mise à jour de 12 gigas que j'avais un peu oublié si tu veux avant de balancer mes tout sur Twitter, allez venez machin, on fait un live. Je me suis dit, bon ok, j'ai 2 gigas. Donc du coup, on a lancé un Rayman PS4. Et je lui ai dit, bah tiens, tu vas prendre la manette, donc je vais prendre les questions, discuter avec les gens. Et elle l'a fini. Non, elle l'a pas fini, non. Mais elle a bien enchaîné, elle a bien kiffé, quoi. Elle retrouve ses sensations. Mais ça fait quand même 3-4 ans qu'elle a pas joué. C'était une grosse joueuse de Gears aussi. Mais à ce point-là, c'était. Je veux dire, elle s'est vraiment sevrée comme ça. Ah, elle a arrêté d'un coup. Waouh. Et grâce à toi Bah écoute, elle va sûrement replonger. Voilà. Alors... Mais bon, déjà, je trouve que j'ai beaucoup de chance qu'elle passe sur les lives et qu'elle soit. Franchement, elle est super patiente et super sympa avec moi. C'est plutôt cool. Bah écoute, peut-être que c'est la bonne. Écoute, on verra bien. Voilà. Alors, le truc qui met la pression devant tout le monde. Pas de problème, je me marie demain, c'est cool. Alors, juste pour que vous voyez là, voilà, donc en gros, pour simplifier dans les inventaires, d'habitude, tu cherches un peu toujours les objets qu'il te faut, les bons objets au bon moment pour donner au bon perso. Et là, tu vas parler à Maman. Là, je parle à Maman, hop, et je sais que j'ai le bon objet parce que la quête est marquée dessus, là, c'est validé, donc j'ai plus qu'à y aller. Je suis dans objet clé, j'appuie sur un bouton, toujours avec le truc là, hop, hop, je mets le truc dedans, j'appuie sur échanger, et c'est parti. Et c'est tout ça, c'est tout est pensé un petit peu comme ça. C'est très facile, là par exemple j'ai le truc, j'ai marqué au choix, j'utilise ma petite croix au-dessus, boum, hop, je choisis ce que je veux. Alors une potion ou un éther, pour l'instant les PM, je m'en fous moi des PM, ça m'intéresse c'est les PV, donc hop voilà. C'est extrêmement simple en fait. Et je fais tout à la manette depuis le début du live, tout est à la manette. Il n'y a pas de souci. Après pour discuter aussi c'est valable, on utilise la petite interface alors, classique. Nyx qui nous dit, c'est pas un peu abusé de devoir prendre un abo à 10-12€ par mois en plus du PS Plus? Bah non, parce qu'on vient de nous dire que apparemment, non. Apparemment, nous on s'est gouré, voilà, donc il semblerait qu'on puisse jouer sans le PS Plus. Voilà. Sur PS4, j'en reviens vraiment pas. Très honnêtement, ça me met sur les fesses. Mais pour le coup, les gens ont l'air sûrs. Maintenant, je peux pas les vérifier parce que je suis en live. Mais je reconnais que ça m'étonne vraiment. Pour moi, on ne joue pas sur PS. Sur PlayStation 4 sans. Non, mais j'ai encore une conférence. Ah oui, de Sony où Shuhei Yoshida arrive et dit ouais non on va payer et puis voilà coup, et ça passe comme une lettre à la poste au passage. Parce qu'à ce moment là Microsoft a fait encore dit une bêtise ou je sais plus quoi, c'était mais peut-être 3. Qu'il y a un truc particulier pour Final, mais alors moi je suis pas au courant hein, mais alors la BO de l'édition collector n'est pas complète nous dit Kevin, et elle est disponible sur Blu-ray avec les musiques jusqu'à la 2.1 pour 40€. Écoute, merci Kevin pour toutes ces précisions, c'est cool hein, que vous veniez à chaque fois apporter des précisions comme ça, nous ça nous fait plaisir, hein. Vraiment. Alors, ouais. Pour bénéficier du transfert gratuit, je crois qu'il faut être membre PS Plus, passer de la PS3 à la PS4. Fais gaffe parce qu'à l'écran il se passe plus rien. Alors ouais, excuse-moi, mais j'essaye d'être sur tous les fronts. De toute façon, on va se renseigner précisément parce que du coup, si vous me le dites, j'imagine que. Enfin, si vous me le dites, c'est que sûrement que vous êtes à fond et que vous pouvez vérifier. Ouais. Donc allez-y. Moi je vais aller vérifier derrière parce que ça me paraît quand même complètement dingue de pouvoir jouer à un jeu PS4 sans avoir de PS Plus. Donc je veux dire, ça, c'est une histoire de fou. Alors les gars, je ne vais pas la vendre mon OST d'FF12. Hein. Moi je pratique pas ce genre de truc. Si je fais quelque chose avec, ça sera l'offrir ou la faire gagner. Je préfère ça. Ou alors autre chose. Qu'il ne vaut mieux pas que tu saches. Autre chose. Ah oui, non, 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 vaut mieux pas que tu saches. Mais bref, on verra ça plus tard. Hein. Vous en retenez bien. Il y a une BO d'FF12 qui se balade chez moi, qui est sous blister, qui ne me sert à rien, qui va sûrement disparaître un de ces quatre. Peut-être entre vos mains. Franchement, c'était pas c'était le meilleur FF, le dernier meilleur FF que j'ai fait, le 12 en fait. Le système est basé sur celui de Vagrant Story. Et c'est juste une tuerie, Vagrant Story, encore aujourd'hui. Hein. Bon, graphiquement, ça a pris un coup, mais c'est encore un des jeux les plus, plus incroyables auxquels j'ai joué toute ma vie, quoi. Au niveau scénaristique, niveau narration et au niveau combat, quoi. Tu sais que tout à l'heure, j'ai eu mon ami Mehdi de chez Pixel Love. Hein. Ouais. Moi, je pense que vous pouvez vous attendre à un truc concernant les FF après le 10 pas longtemps. Eh ben écoute, moi j'en dis pas plus. Hein, ça tease à mort. Voilà, je fais que teaser parce que si j'en dis plus, à mon avis, ils veulent le garder pour eux aussi. Mais voilà, chez Pixel 9, il y aura peut-être des trucs. Bref.
Kevin, donc, qui nous redit, hein, j'ai la version finale du jeu sur PS4. Ouais. Et je ne suis pas PS Plus ce mois-ci. Je peux me connecter sans souci. On te croit. Ah, mais c'est le mois d'abo. C'est peut-être ça. Peut-être. C'est peut-être le mois d'abo. Franchement, je cherche une solution. Hein, mais ouais, moi aussi, peut-être. Je trouve ça dingue, en fait. Les 3 premiers jours, peut-être. Ouais, mais. Alors à ce moment-là, c'est-à-dire que Sony aurait fait une concession pour le. Pour ce jeu-là. Et très honnêtement, j'ai pas la réponse. Je sais pas du tout. Donc. Moi, ça me paraît juste dingue de pouvoir jouer sur PS4 sans être mode PS Plus. Enfin, en ligne en tout cas. Parce que c'est quand même du jeu en ligne. Alors, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois que ça, c'est bien pour moi. Hein, c'est mieux. Plus 5 en défense magique. Plus 5, c'est pas terrible. Mais le moins 2 en défense me convient pas du tout. Et ça, je m'en fous. Il y a Diane qui demande, tiens, si on veut s'essayer à FF7 sur Vita, ou plutôt sur PS3. Vita, il est vachement bien, sur Vita. Hein. Ouais, pas de problème. Bah, sur PS3, c'est vrai que le rendu. Ça en prend un petit coup, quoi. Ouais, c'est quand même un jeu de 97. Voilà. Donc, bon, 96 ou 97. Et bon, c'est vrai que. Oui, c'est 97. Donc, oui, je recommande beaucoup plus sur Vita, ou même sur. Moi, j'avais joué sur Go. Sur PSP Go. Ah, mais c'est vrai qu'il existait, là où en fait, c'est l'ancêtre de la PS Vita, on ne pas. PSP Go, cette pauvre console qui était trop en avance. Ouais, mais qui avait trop le look de ouf quand tu faisais. Ah non, mais elle était vachement bien. Elle était super classe. Trop cher, mais ouais, trop en avance avec son démat. Mais ouais, mais je pense qu'ils ont vraiment testé. Ils ont vraiment testé le terme. Ouais. Ils se sont dit est-ce que ça peut marcher ou pas, quoi. Du coup, maintenant, elle fait la joie de tous ceux qui ont des émulateurs. Exactement. Et qui l'ont craqué. Tout à fait. Ah, alors là, tu veux peut-être que je change d'écran, non? Non, du tout. Non, c'est bon, pas de problème, parce qu'on a réglé nos problèmes de compte. Parce que tout à l'heure, on a eu un problème de compte. Mon compte a été bloqué, comme on vous le disait. Parce qu'on a juste changé la PS4 d'endroit, en fait, et que je me suis connecté à un autre endroit, et du coup. Ils m'ont bloqué mon compte, donc il a fallu que j'aille tout débloquer, c'était un peu compliqué. Alors attends, parce qu'il y a Ninjado qui nous demande quelle est notre invocation préférée de la saga FF. Moi, j'ai déjà mon idée dans la tête. C'est. Mon dieu. Le feu, merci. Ifrit. Merci. Voilà. Dans quelle édition? Très honnêtement, le premier qui m'a mis une claque, c'est Final 7. Ouais. Vraiment Final 7, le premier passage en 3D, c'était juste ouf. Et la première, c'est la première qu'on avait à ce moment-là. Attends, je vais lancer mon. Ah, c'était la première qu'on a pour choper dans FF7. Non, la première c'est la flotte. C'est. Léviathan. Léviathan, merci. Et il y a Ondine qui était incroyable. Aussi. Et la glace aussi, Shiva, la glace, ouais, qui était juste incroyable parce que les faits sur PS7 c'était juste un truc de dingue. Ouais, mais c'était moins impressionnant finalement ça parce que t'avais l'habitude. Ah, ouais. Mais je me rappelle que celle de la flotte était incroyable parce qu'il y avait le dragon en haut, tu te rappelles, et ça, il y avait la flotte qui tombait en fait, sur les mecs comme ça, c'était juste. T'avais un hippocampe en fait qui sortait, c'est ça? Non, c'est vraiment, il y avait un dragon en haut en fait, un dragon flotte, oui, c'est vrai. Et ça tombait comme ça, et en fait, il y avait la flotte qui rebondissait en fait, comme ça. C'était juste ouf la première fois qu'on avait ça. C'est vrai. Bah moi, et les Bahamuts avec les 13 chevaliers et les machins, c'était dingo aussi. Ah oui, c'est vrai que les chevaliers. Les 13 chevaliers à la fin de Final 7, c'était. Les chevaliers de la table ronde, ils appelaient ça, je crois. Ouais, c'est ça. C'était ouf. Bah moi, depuis le 6, moi c'est Alexander que j'aime beaucoup. D'accord. L'énorme ville c'est ça que je voulais voir. Mécanique qui sort de terre et qui se dit tiens, si je balançais un gros rayon laser dans ta gueule, un truc qui est gigantesque. Mais je trouve cette invocation dans tous les FF, je l'ai trouvé mais incroyable. Parce que c'est une ville quoi. C'est pas. Voilà, c'est une grosse, énorme ville. Ah tiens, vous voulez voir des voix? Je suis bête, bah, je peux vous en montrer. Tiens. Tu veux nous montrer des voix? Bah, je vais vous montrer comment ça se passe, mais après voilà. Ah, il y a Kevin qui dit Mimic, rejoins-moi sur Moogle. J'aimerais bien, mon ami, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr d'avoir le temps de jouer comme un fou furieux. Je vais vous balancer juste le film d'intro parce que je me rappelle qu'il est en français. Ah, donc bon, attends, on va le mettre en plein pot alors. Bah, mets en plein pot et mets un peu de son. Bah, du son, ils en ont. Ok, attends. Aveline, une planète irisée de bleu et de vert, dotée d'une nature foisonnante. Et généreuse. Sa richesse, héritée de la protection du cristal mer, laissait croire à une prospérité sans fin pour tous ses habitants. À l'ouest d'une immense masse continentale surnommée la Trigée, se trouvait Orzea, une terre que l'on dit aimée des dieux et forgée par des héros. Les habitants de cette accueillante région ont commencé à écrire leur histoire, ère après ère. Mais les jours de félicité et d'innocence devaient bientôt connaître une fin. Une tragédie allait frapper en l'an 1572 de la 6e ère astrale. Garlemald. Le belliqueux empire du Nord aspirait à la conquête de l'ensemble du continent. Contre lui, l'alliance des trois cités-états éorzéennes menait une lutte brave
mais désespéré. Hélas, l'Empire mit à exécution son projet météore et précipita sur Eorzea une lune tout entière, déchaînant ainsi la puissance du dragon Bahamut, confiné dans l'astre, qui immola par le feu la terre jadis vaste. Le cataclysme fut nommé septième fléau, concluant sur une note tragique ce chapitre de l'histoire. Cinq années ont passé depuis la catastrophe. Et Eorzea a survécu de justesse à cette terrible épreuve. Dans ce monde encore meurtri par les cicatrices de la calamité, le peuple s'est relevé et est prêt à affronter l'adversité qui le guette. Pour aller de l'avant, envers et contre tout, et écrire le chapitre de la septième ère astrale, l'ère du renouveau. Les aventuriers foulent une fois encore cette terre défigurée mais vaillante. Que leur dessein soit couronné de succès. Et que le cristal veille sur eux. Thank you.